Mort, souffrance, brutalité, telle est la réalité du conflit syrien. Un peuple marqué à jamais et un pays ravagé où rebelles et forces gouvernementales se battent pour le pouvoir pendant que le reste du monde se perd à trouver une solution. Et comme si cela n'était pas suffisant, les tensions internationales laissent planer le spectre d'une guerre régionale. Pour parler de la situation en Syrie et pour répondre à vos questions, je suis en compagnie de Carla Del Ponte, membre de la commission d'enquête indépendante des Nations Unies pour la Syrie. Carla Del Ponte, merci d'être venue sur le plateau de iTalk. Donc, comme je l'ai déjà dit, vous faites partie de la commission d'enquête sur la Syrie qui vient de révéler de nouveaux niveaux de brutalité. Vous n'êtes pas une nouvelle venue dans ce jeu, mais en quoi est-ce différent pour vous? Yes. Good afternoon. Bon après-midi. Nous venons de rendre notre cinquième rapport qui dit que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont en hausse. Beaucoup plus de crimes sont commis, il y a beaucoup plus d'agressivité et comme le soulignaient déjà les précédents rapports, ces crimes sont commis par les deux camps. De quelle sorte de crimes parlons-nous? Qu'est-ce qui vous a marqué en termes de crimes commis? Toutes sortes de crimes violents. Meurtres, tortures, violences sexuelles, exécutions, déportations. Si vous regardez une liste de tous les crimes de guerre et crimes contre l'humanité possibles, ils sont tous inclus dans ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Et en plus, il y a peut-être des armes chimiques. Nous allons maintenant écouter la première question qui porte justement sur les armes chimiques. Je m'appelle Anna, je suis polonaise. Je me demandais s'il existe des preuves de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie et en quoi cela peut influencer la situation. De toute évidence, il y a des indices, mais il manque encore la preuve indiscutable, n'est-ce pas? Surtout si vous n'êtes pas autorisé à vous rendre dans le pays. Exactement. Dans le rapport, vous pouvez lire que nous avons identifié 4 endroits où des armes chimiques auraient été utilisées. Mais l'enquête n'est pas encore terminée. Le secrétaire général a mis en place un système spécial pour enquêter et nous avons besoin d'experts sur cette question. Et je pense que maintenant que la commission a pu établir que des armes chimiques ont été utilisées par les deux camps, il faut attendre que l'enquête soit correctement menée et achevée. Pensez-vous que les Nations Unies seront autorisées à se rendre en Syrie pour obtenir la preuve requise? Je le pense et j'espère que tous les membres de la Commission seront autorisés à se rendre en Syrie. Notre travail est entravé tant que nous n'avons pas accès à la Syrie. Donc il ne s'agit pas que des enquêteurs spécialisés en armes chimiques. Nous devons tous pouvoir nous rendre en Syrie aussi rapidement que possible. Avez-vous une idée de quand vous pourrez entrer dans le pays? Non, absolument pas, malheureusement pas. Mais nous ne cessons de le demander aux Nations Unies, à la Russie et à tous les États qui peuvent nous aider à avoir accès à la Syrie. J'espère que la question sera évoquée lors des négociations de Genève. Pour que la commission d'enquête puisse se rendre en Syrie, c'est extrêmement important. En mai dernier, vous avez provoqué une controverse avec vos déclarations selon lesquelles il y avait des preuves que les rebelles avaient utilisé des armes chimiques. Est-ce que vous regrettez d'avoir dit ça? Non, absolument pas. Et je confirme ce que j'ai dit, bien sûr. Même si on ne peut pas tirer de conclusion absolue des premiers éléments de l'enquête, et donc attendons de voir ce qui se passera lors de l'enquête. Mais nous avons des éléments de preuve, bien sûr, sinon je n'en aurais pas parlé. Mais les preuves semblent montrer que les armes chimiques sont beaucoup plus utilisées par le régime que par les rebelles. I don't know.
Je ne sais pas. Pour le moment, il faut attendre d'avoir le résultat global de l'enquête. Voici maintenant la question suivante. Elle a été posée via les réseaux sociaux et elle est de Mahmoud, qui est syrien. Il demande pourquoi les Occidentaux parlent autant et en font si peu et quand est-ce que la guerre va se terminer. Je pense qu'il n'a pas tort, c'est un sentiment partagé par beaucoup de personnes. Il y a comme une certaine frustration parce que les choses ne bougent pas assez vite. Cette guerre dure depuis 2 ans et a fait des dizaines de milliers de morts, mais l'Occident semble tergiverser. Ce que je peux dire, c'est que toutes les victimes veulent la paix et la justice. Et si vous pensez à tous les réfugiés en Syrie et en dehors de Syrie, près de 19 millions de personnes souffrent de cette guerre civile. C'est assez incroyable. Et donc, j'espère que très rapidement, il sera possible d'obtenir la paix. Et avez-vous encore de l'espoir pour cette conférence de Genève, compte tenu qu'il est très difficile pour l'opposition d'y prendre part parce qu'elle n'est pas représentée? J'ai lu dans la presse des articles sur ces difficultés, mais j'ai toute confiance en la Russie et les États-Unis, qui sont les deux pays qui organisent cette conférence. Peut-être que cela prendra du temps, mais j'ai de l'espoir, parce que la situation est réellement tragique, vraiment, vraiment tragique. Et les victimes, les survivants espèrent pouvoir retrouver une vie normale, la démocratie et plus particulièrement le respect des droits de l'homme. Vous avez demandé par le passé que le régime de Bachar el-Assad soit tenu pour responsable devant la Cour internationale de justice. Vous maintenez ? Il est toujours urgent de rendre justice. Malheureusement, le Conseil de sécurité n'est pas d'accord. Il n'est pas possible pour la CIJ d'agir si le Conseil de sécurité n'agit pas en conséquence. Donc, il est possible de chercher d'autres solutions. Cela pourrait être un autre tribunal, mais la CIJ, et nous le disons dans notre rapport, serait la meilleure solution. Surtout pour ceux qui portent les responsabilités, parce qu'il y a beaucoup de personnes à un niveau plus bas que la CIJ ne peut pas poursuivre. Ce sera la justice nationale ou un tribunal improvisé. Je pense que c'est très important. Je sais, de par mon expérience, qu'il n'y a pas de paix sans justice. Je veux le confirmer et j'espère sincèrement que la communauté internationale va agir très rapidement. Ok, Carla Del Ponte, merci beaucoup d'avoir participé à iTalk. C'est tout pour aujourd'hui. Pour savoir qui sera le prochain invité de iTalk, rendez-vous sur notre site internet ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous étions dans les studios du Parlement européen à Bruxelles. Merci de votre attention.